Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici. Et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal. Et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion, et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci? Il lui répond. Oui, Seigneur. Toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit. Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond. Oui, Seigneur. Toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit. Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné. Parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond. Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit. Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit.
Suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Durant la dernière Pâque que Jésus prit avec ses disciples, Pierre, avec son ardeur habituelle, s'était déclaré prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. Cependant Jésus lui avait répondu, « Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies par trois fois nié me connaître. » Et, de fait, quelques heures plus tard, Pierre reniait Jésus trois fois, et, rencontrant le regard de Jésus, il sortit et pleura amèrement. Dans l'une de ses dernières apparitions après sa résurrection, celle que nous raconte le passage d'évangile que nous venons de lire, Jésus ne fait pas de reproche à Pierre, mais, dans un geste sublime, l'appelle à affirmer trois fois « Tu sais bien que je t'aime », effaçant ainsi en quelque sorte son triple reniement. Cet amour profond pour Jésus est la vraie nature de Pierre, alors que le reniement n'avait été qu'une chute passagère. C'est à ce vrai Pierre que Jésus confie son Église. Être saint signifie aimer. La sainteté est fondée sur le commandement de l'amour. Le Christ dit, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il continue, « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » La sainteté est, donc, une ressemblance particulière au Christ. Une ressemblance par amour. Nous, les chrétiens, nous sommes des disciples du Christ, et nous sommes appelés à imiter le Christ. Sans croix et sans vrai engagement dans la charité, nous pourrions tomber dans la tentation de considérer cette imitation d'une manière mystique ou magique. Mais là n'est pas le Christ des évangiles. Nous suivons un Christ crucifié, un Christ qui s'est totalement dépensé au service des autres. C'est le seul chemin qui conduit à la sainteté et au succès apostolique. Et quand Jésus ressuscité après être passé par la mort dit à Pierre, « Suis-moi », aussi bien Pierre que Jésus, savent que c'est une invitation à passer par le même mystère pascal. Et c'est à Rome que Pierre donnera son ultime témoignage. La première lecture de la messe d'aujourd'hui, pour sa part, nous montre comment Paul, l'apôtre des nations païennes, approche, lui aussi, de son témoignage final. Pris, comme Jésus, entre les autorités juives qui voudraient sa mort, mais qui n'ont pas l'autorité de la lui imposer, et les autorités romaines qui reconnaissent son innocence mais ne veulent pas déplaire aux Juifs, Paul, usant de ses droits de citoyen romain, en appelle à l'empereur. Il sera donc conduit jusqu'à Rome pour y comparaître devant l'empereur. Et c'est là qu'il mourra, comme Pierre, quelques années plus tard. Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre le savait, lui auquel le Christ a demandé par trois fois, m'aimes-tu? Pierre le savait, lui qui, à l'heure de l'épreuve, a renié son maître par trois fois. Et sa voix tremblait lorsqu'il répondit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Cependant, il n'a pas répondu, et pourtant, Seigneur, je t'ai déçu, mais, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. En disant cela, il savait déjà que le Christ est la pierre angulaire, sur laquelle, en dépit de toute faiblesse humaine, peut croître en lui, Pierre, cette construction qui aura la forme de l'amour. À travers toutes les situations et toutes les épreuves. Jusqu'à la fin. La confession régulière de nos péchés nous permet de recommencer, avec une ardoise neuve dans notre recherche d'imiter mieux la charité du Christ.
tout comme le Christ a pardonné à Pierre de tout son cœur et continué à mettre sa confiance en lui, il renouvelle continuellement sa confiance en nous, et nous demande de recommencer avec un amour encore plus grand qu'avant. Le Christ n'est pas tant concerné par le nombre de fois que nous tombons, mais plutôt par le nombre de fois où nous nous relevons et à quel point nous essayons de faire grandir notre amour. Accorde-moi, Seigneur, la grâce du pardon, de pouvoir vraiment pardonner et oublier ceux qui me font du mal. Tu sais combien cela m'est difficile, Seigneur, aussi je te supplie de m'accorder cette grâce de tout mon cœur. Je veux t'imiter avec ma vie, mes œuvres et tout ce que je fais, et je veux particulièrement t'imiter dans ton amour. Prions ensemble. Père des cieux, prions ensemble. Père des cieux, ton saint nom soit béni pour la joie de ton amour. Advienne ton règne dans nos cœurs et dans nos esprits, afin de communier à ton amour et à ta création, en partageant leurs fruits, dans la paix et la fraternité, telle est ta sainte volonté. Père amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel, en nous disant, si tu veux. Tu nous offres le pain de vie, en la personne de Jésus Sauveur. Jésus amour, je ne suis pas digne de te recevoir, envoie-nous l'esprit de Pentecôte. Je vivrai ta parole, et la proclamerai dans la joie de ton amour. Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement. Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini. Envoie l'Esprit Saint notre défenseur, devant la tentation et nos divisions. Donne-nous l'Esprit de vie, qui nous préserve de la mort du non-amour. Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation. Devenu frère et sœur héritier du royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre ego. Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage, dans l'amour de nos frères. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux. Ô Père, à toi la louange. Tu montres aux humbles ton chemin. Mais tu le caches aux yeux des sages. Pour qu'à l'épreuve de la faim ils cherchent ton visage. Ô Père, à toi la louange. C'est en toi seul qu'est notre joie. Puisque tu nous reçois toujours, quand misérables et sans amour, nous revenons vers toi. Ô Père, à toi la louange. Car tu connais notre faiblesse. Comme une mère tu nous portes. Et chaque instant tu nous caresses de ta miséricorde. Ô Père, à toi la louange. Car ton amour est infini. Tu veux pour nous la sainteté. Et tu la donnes aux tout petits. En ton Fils bien-aimé. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.